Demon Watch parce que voilà c'est bah oui c'est ah c'est Ivanish oh là là oh non je... il peut mieux traiter que moi qu'est-ce que je fais c'est ça genre oh là là mon matchup n'est pas 6-4 qu'est-ce et que alors, je fais bon sang c'est un peu le même problème avec Ness mais on... c'est plus violent avec Game & Watch on va dire plus Ness Aston Bay pour les petites jolts et les ouais bah après le ça le permet de se soigner du coup Ness oui. Alors que Game & Watch la menace est peut-être un peu plus grande ouais. C'est-à-dire que ça donne le bucket enfin ça donne le goudron genre la menace ça crée un peu plus de menace en fait de lancer des petites jolts c'est ça match. Mais bon ah, c'est pas Game & Watch, c'est pas Pika, c'est Luigi ou Fox en face. Et moi je crois au Luigi Game 1 pour Momon, pour prendre la température. Vu que bah il avait gagné la dernière fois avec. On l'a entendu. C'est Pique. C'est Pique. Il avait gagné la dernière fois avec. Donc il part confiant quelque part Momon, tu vois, mais maintenant il faut réitérer l'exploit contre BMS Niros qui est un petit peu. qui est resté 15 secondes le point levé en attendant ce fist bump. Momon ne l'a pas. Hydratez-vous, c'est important. Seul. De quoi ? Hydratez-vous, c'est important, parce qu'il buvait de l'eau en fait. C'est pour ça. Ah, oui. Allez, let's go! Momon contre Niros. Momon qui est sur une sacrée run en Winners pour l'instant. Notable contre Mescol. Ah, et c'est parti sur Holobastion. Donc Pikachu contre Luigi. Tu l'as dit, on va prendre la température et voir comment ça se passe. Ouais, ouais, tout à fait. Un stage pas gigantesque hein, en termes de plateforme. Ça peut aider Luigi ici peut-être, qui va pouvoir getter peut-être un petit peu plus simplement. La plateforme, ça peut l'aider à Land aussi. On est sur un pic qui peut aider Luigi à mon sens. Yep, oh! La plateforme qui ici a aidé pour empêcher qu'il y ait une conversion du côté de Niros et tu le vois, il veut aller absolument chercher ce grade, il veut aller à la pêche à la souris je pense. Et là, on se double up petit justement en essayant de choper le landing de Niros au final. Ce n'est absolument pas passé et ça a mis au moment où ça soit un petit peu périlleuse à droite du terrain. Pour l'instant le contrôle du terrain d'ailleurs il est pour Niros et ça l'arrange bien. Ouais ça l'arrange bien, parce que c'est la force de Pikachu avec Luigi qui peut gérer comme il veut le terrain. Attention juste à pas trop laisser Luigi Gatine. Il a pas l'air décidé à laisser Gatine. La Black Dance ici qui est trouvée par BMS Niros. Et on est offstage, on revient malgré tout côté Momon. Les phases offstage vont être aussi extrêmement importantes. Je l'ai dit tout à l'heure, Luigi offstage est un sac à patates. Et Pikachu ça a beaucoup d'outils pour punir ce genre de perso. Et absolument, allez, Momon contre le terrain ici. Mais Niros, forcément, on l'a dit, c'est un joueur qui est pas forcément ultra interactif. Va pas forcément faire le shift. Oh, il fait des interactions. Mais là, il y a un grab. Et là, il y a Sidon B qui va connecter, pas tuer pour ouais. L'instant. La diade de Niros était largement suffisante ici. Et maintenant, il décide de ne pas se faire trop edgeguard. On a plus de saut pour Niros. Le tout frame passera. Un deuxième et peut-être un troisième. Ah, non, ça passera. Mais c'est pas grave parce qu'à la remontée, il y a ce up smash. Momon, la phase était nickel chrome. Ouais, la phase était parfaite. Hein. C'est parti de ce détil qui a confirmé littéralement en grab, down throw, down B, etc., etc. Jusqu'à toute la phase on stage, ledge trap, tout ça. Je n'arrive plus à parler, c'est dramatique. Le ledge trap qui a suivi. Mais voilà, Niros est revenu rapidement dans la game. Hein. Drag down the air into the smash. C'est la classique. C'est le combo qu'on lui attribue, la Black Dance. Et puis ça permet de revenir, écoute, il en avait besoin, fallait pas se faire vortex par Luigi derrière. Ouais, absolument, et là il y a peut-être un combo à mettre en place justement. Quel hitbox, messieurs. Ok, le B va pas trouver le gros hit, mais c'est pas grave, ça reste 71% et franchement on va s'en contenter. Hein. Ouais, clairement, contre Pika ça fait plaisir, mais il l'a fait en l'air surtout, ça m'a surpris, je m'attendais pas du tout à ça. Oh, il a pas osé up B, dommage. Il a F-Smash et ça a en vrai failli tuer. Il a fallu une bonne DI de Niros pour s'en sortir ici. La question maintenant c'est est-ce qu'on peut conclure la chose. S'il y avait ce grab, ça aurait été le cas. Et ce up smash sera puni par un Niros qui de son côté c'était bien repositionné. Je pense qu'on est off stage. Le forward air ici, il a failli prendre la stock carrément, je pense. Sympa le mix-up là avec le. Il était à portée de up-b le ledge, mais au final il a préféré un saver vraiment pour temporiser. Ça a surpris Niros. Hein. Un petit peu. Oh là là. Ces petits down-b à la. C'est Elegon qui faisait beaucoup ça la première fois de. Je fais mon petit down-b au niveau du ledge, puis je me laisse glisser, c'est parfait, on meurt. Malheureusement. On a air dodge en dehors du terrain, on a voulu sortir du down smash de Pikachu et malheureusement ça a causé une air dodge en dehors du terrain qui aurait donc été fatale pour le bordelais. Un petit peu dramatique, hein, le buffer de l'air dodge qui a pas du tout aidé Momon ici. Il a un petit peu de retard maintenant, il faut trouver la stock, trouver ici ce chant offert qui était un petit peu trop ambitieux, spot dodge du smash, la smash ultimate pour vous, mesdames et messieurs, c'est la classique. Et du coup tout est à jouer, hein. Franchement un grab et c'est la fin. Absolument, un grab et c'est finito pour Niros, mais bon, ne parlons pas trop vite, évidemment, encore faut-il le trouver, hein, on le répète, mais c'est vraiment l'une des clés du match-up, et vraiment, il le tente à chaque fois, et il le tente, mais il a pas envie de le laisser, Niros, à moins que la dash attack, ouh, c'était ambitieux, ça, c'était une mauvaise dash attack, on manque un tout petit peu de timing ici, quel dommage pour Momon, attention à pas regretter derrière, voilà. Parce que là, c'est Niros qui a contrôlé le terrain et on sait qu'il est très fort dans ce cas précis. Il y a deux roulades qui ont été vues et l'atterrissage. Yas Baker, on garde le contrôle du terrain et on souhaite le conseiller pour aller prendre la game 1, pardon. Et pour l'instant, Momon,
Il ne reprend pas l'avantage d'une quelconque manière. Il y a Niroz qui voit absolument tout, qui est omniscient. Mais il y a un grab qui sera paré au final par Niroz. Et avec le Down Smash, on va continuer à l'envoyer valdinguer, l'envoyer valser dans les cieux de Holobastion. Très bonne recolo de Momon à chaque fois. Il vient pile à la bonne distance pour embêter Niroz, pour pas qu'il puisse venir le chercher. Ou pour faire peur un peu à Niroz de dire bah si tu vas là, il y a moins que tu te rates, tu fais mal à reco, même si c'est Pika. Il gère bien pour l'instant, cette fois-ci le fer pour stuff sa reco. C'est tight, hein, écoute. On est peut-être pas à l'abri d'un confirm encore de Luigi, mais 124% ça commence à être compliqué pour Momon. C'est un dangereux, effectivement. On va s'extirper de ce Smash avec la vive attaque. Et là, c'est la last stock en game 1, mesdames et messieurs. Même si la dash attaque va tuer et complètement. Ça confirme. Neutral, le neutral B qui confirme en dash attack. Ah là 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 là. If I speak. Aïe 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 aïe. On va pas jamais être nerfé. Ah là 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 là. Non, après, franchement. Confirme bien trouvé pour Niroz, ah oui. Hein, il connaît son perso, il a vu Neutral B touché. Il avait déjà prévu de mettre la dash attack avant même que ça touche, très clairement. Et pour cause, il avait raison, si c'était shield derrière, il n'y aurait pas eu un gros punish, franchement. Peut-être un smash, remarque, je ne sais pas, j'ai un doute. Mais ouais, non, franchement, Niroz qui s'en sort bien. Ouais. On avait Momon qui avait pris un peu le lead au début, même si, mm-hmm. si je ne m'abuse. Mais ouais, non, franchement, bonne réaction de BMS Niroz ici, 1-0, l'avantage en termes de game qui est pris, Momon qui va devoir réagir s'il veut réitérer l'exploit du KR Banger, il y a du chemin. Ouais, il y a clairement du chemin pour le coup, mais ce chemin, il en a déjà fait une grande partie. Et on va partir donc sur la game 2, un choix de stage du côté de Momon, pas de Fox, on reste sur le Luigi. Niroz est à une game d'aller chercher ce top 8 du côté du Winner's Bracket. Mais il y a Luigi Bordelais qui n'a effectivement pas dit son dernier mot. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Pas de changement de pick, hein. On est confiant quand même. La game était tight en même temps. On peut pas le... que ça peut le faire. On est sur Smashville cette fois-ci. Un stage au layout très similaire à Holobastion. C'est un petit peu plus petit en termes de plateforme. J'ai un petit doute. On va voir comment ça se passe. Oh, malheureusement, la punition perte qui sera ratée du côté de Niroz et ça arrange Momon et pas pour longtemps au final. Même si là, oh, c'est bon, on arrive à la porter avec ce BG. J'ai eu très peur avec cette tornade au final qui a été utilisée vraiment en désavantage et qui au final quand même a surpris Niroz qui n'aura pas été au bout, malheureusement. Et ça, pour le coup, bah, ça arrange un Niroz qui va continuer à alphamer les types d'autres. Et encore une fois, on le met dans une situation vraiment problématique. Le pilote prend le shield, mais derrière, quand on va se repositionner, il y a un coup, n'importe lequel, c'est au choix du Pikachu qui va passer. Et on est à 56%. Oh, un bon start pour Niroz. Oh, c'est raté, c'est dommage. C'est raté, il y a la petite conversion de secours derrière, on va dire, le back air into dash attack. 50%, 67% de l'autre. Ça continue de mettre les pourcents par-ci par-là par Pikachu, mais c'est vrai que ce qui peut faire les affaires de Momon contre Pika, c'est que bah il faut gagner beaucoup d'interactions contre Niroz, on l'a dit tout à l'heure, et quand il va toucher, il va mettre relativement peu de pourcents. Ouh, il va aller chercher loin, encore une fois, les bons timings de cette B ici, avec le B, on va pouvoir remonter. Momon, franchement, en désavantage, il est impressionnant pour le quoi. Alors qu'il joue un perso qui est limité à ce niveau, hein, très clairement, genre Luigi, c'est un perso qui a pour défaut justement sa recovery, son désavantage. Et il arrive à passer entre les mailles du Pikachu à chaque fois depuis le début, bon, ah, dommage. Un peu de malchance ici, du coup, j'allais dire de la chance au Mistfire, mais non, en vrai, j'y ai cru. Moi aussi, mais ça a été fatal du coup. Il allait pile à la distance pour l'empêcher de reco après. Ouais, vraiment, il a compris quel plan de jeu il fallait appliquer dans ce match-là. Il a compris comment il allait en top 8 côté Winners, là, clairement. Niroz, tu veux dire? Niroz, oui, pardon, effectivement. Mike va te dire un moment, je vais m'excuser du coup. Anyway, revenons à nos moutons. Un Niroz, voilà, qui se positionne, va aller chercher les confirms avec le T-Lot. Il va pas aller chercher plus que ça, il va juste jouer en deuxième dans la finition et ça suffit parfaitement. Hein. Oh, le Trump qui a été tenté d'ailleurs. Oh, bon, spot dodge ici, hein, il... Pardon. J'ai pas compris. Ah, attends. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est, on d'accord, c'est comme une pause du coup. On rejoue pas. Non, les joueurs rejouent. Okay, c'est rien passé, on rejoue, vous avez vu. Allez, on continue. C'était bizarre parce que attends, les deux joueurs jouent à la GC. Non, Niroz joue à la pro. Et voilà, ah là là, sacré Niroz. Bon, ça a été. Les deux joueurs ont rien dit. C'est pas grave, on repart. Une série passée. Gentleman, on continue. Ouais. On continue. Allez, on a rien vu du coup. C'est pas GC en pensant qu'ils allaient atterrir. Ça aurait pris la stock pour le coup. C'était un choix assez intéressant, mais qui n'aura pas payé au final. Et Niroz continue, voilà, à bien se repositionner, à jouer en deuxième face à ce budget. Cette fois-ci, on a bien respecté. On n'aura pas de punition face à cette tornade qui était bien respectée, justement. Au final, on va quand même perdre le positionnement ici. Face à un Niroz qui le feu meurt tranquillement en désavantage. Franchement, on sent le match parler là sur cette game 2. Yep. On a un Niroz qui est hyper carré, il laisse pas du tout le moment trouver quoi que ce soit. Les juggles sont parfaits, le UR et sa Dijon qui sont hyper bien utilisés contre un Luigi qui va.
manque d'options pour Lane malheureusement. Et Adachata qui va tuer ici. Je pense qu'on se dirige vers un 2-0 assez clair, net et sans bavure pour Niroz. On n'est pas à l'abri, c'est Luigi. Mais il est tellement solide là pour l'instant, malgré sa stock perdue. À moins qu'on ait un grab trouvé là maintenant tout de suite, je vois mal le moment de revenir. Bah, tant Niroz et. Faut un 0 tout death. C'est ça, il le faut. Et pour aller chercher, c'est ça le truc. Et pour aller chercher, bah ça pourrait être maintenant justement. Est-ce qu'on va aller chercher? Mais j'ai parlé trop vite, évidemment. Et le match est relancé, pardon. Mais je le voulais en fait quelque part. C'est pour ça que j'ai dit, je suis pas sûr, etc. Je voulais que le moment le mette, son 0 to death, bien évidemment. On a envoyé l'énergie à un moment pour faire 0 to death. Après, faut en trouver un deuxième. Et c'est pas trop aisé parce que là, Niroz va pas se faire avoir deux fois. Point d'interrogation. Point d'interrogation, exactement. Qui sait? Alors peut-être. Attends. Où est-ce qu'on en est? On les cherche les ventouses en tout cas, regarde le moment, il est à l'affût. Par contre on commence à monter un petit peu en pourcent côté Pika. Je sais pas si on peut encore caler un 0 to death à 14%. C'est un peu haut. Alors, on va voir ici. Écoute, on va voir. Ok, c'est bien diète de la part de Niroz, donc pas de soucis à ce niveau-là. Ça aura juste pris quelques pourcents supplémentaires et Niroz reste en contrôle, bien positionné, bien carré. Oh, Side B qui va finalement bien trade et sauver complètement Momo dans ce bracket. Oh, meilleur le smash et ça sera donc 2-0 pour BMS Niroz, ouais. Niroz qui aurait été carré et qui sera donc en top 8 côté Winners. Un match un peu au rythme bizarre du coup. Bon, il y a eu cette pause particulière, ça a un petit peu relancé peut-être le rythme de la game, je ne sais pas, mais un 0 tout est ce qui a été trouvé quand même par moment, ça lui permet d'espérer un petit peu, mais non, Niroz trop carré pour moment dans cette game 2. Et là-dessus, on va